Montpellier-Hérault essayent d'être au plus près de ses supporters, comme des journées comme aujourd'hui, avec tous les enfants, mais pas que, hein, y a aussi des adultes. Hein, je veux dire, on est là et on est très content d'y être. Je suis supporter de Montpellier depuis tout petit et je suis abonné à la Butte depuis de nombreuses années. Je suis un supporter du club depuis maintenant de longues années. Je viens maintenant, depuis que je suis à la retraite, très souvent aux entraînements. Je trouve que d'ouvrir le club aux gens comme aujourd'hui, aux enfants, les séances dédicaces, je trouve ça très sympathique. C'est gratuit, c'est avenant, c'est sympathique, tout le monde est bon enfant. Alors moi je m'appelle Valentin, je suis supporter, on va dire sympathisant du MHSC depuis la remontée de Ligue 2 en Ligue 1. Nous là on organise le stage au sein de notre club depuis le début de la semaine, donc on profite de ce moment-là pour pouvoir venir avec une cinquantaine de licenciés participer à cet événement. Donc ça se fait de façon ponctuelle, mais ça permet de créer du lien entre le MHSC et les clubs alentours, les clubs amateurs, et puis ça crée des souvenirs qui restent en mémoire pour les enfants. Je suis supporter de Montpellier depuis que je suis petit, je suis de Lozère, mais bon, ouais, je viens avec mon oncle, avec mon père au stade souvent. Ouais, c'est toujours un plaisir de venir, de voir les joueurs, tout ça. C'est un club familial, moi je vis souvent, tous les joueurs viennent serrer la main à tout le monde, je trouve ça très sympa. Club comme Montpellier, dans la région, localement, c'est très important. Au niveau des supporters, Montpellier c'est une ville sportive. Le football a son importance dans le paysage sportif de l'Occitanie et puis de la région de Montpellier. Au-delà de ça aussi, c'est important d'avoir un club aussi pour tous les enfants qui sont là aujourd'hui, ça les fait rêver et ça nous amène plein de petits dans nos petits clubs aussi. Le MHSC de toute façon a tout intérêt à se rapprocher des clubs alentours puisqu'il est, on va dire, seul représentant des clubs de Ligue 1 dans la région avec le TFC bien sûr, mais en tout cas autour de Montpellier il n'y a que lui, donc il a tout intérêt à le faire et c'est à travers des événements comme celui-là qu'il peut le faire. On voit que toute la région bouge, ça fait bouger autour de ça. Et puis c'est très important pour la dynamisation du tissu local, quoi. À travers des événements comme celui-ci, justement, ça permet de renforcer le lien qu'il peut avoir avec tous les enfants qui sont venus, tous les adultes, les clubs amateurs, parce qu'on est plusieurs à être venus de ce que j'ai pu voir. Donc c'est sûr que ça lui permet d'ancrer son empreinte dans son territoire et c'est important.